Donc c'est un bassin qui a été conçu il y a quelques mois avec un filtre traditionnel à laquelle le client a voulu ajouter une petite touche un petit peu végétale qui permettra d'avoir une filtration en plus naturelle. Il faut avoir obligatoirement un circuit d'eau dans un bassin si on veut éviter que l'eau ne meure, quoi. Il faut qu'il y ait de l'oxygène qui se forme, il faut que la matière organique soit dégradée parce qu'autrement vous avez une couche de vase qui va se former dans le fond. Ensuite vous allez avoir des plantes qui vont avoir tendance à troubler énormément l'eau et ça va masquer la lumière. La lumière et l'oxygène sont deux éléments qui sont très importants dans un bassin. Donc on est parti sur un premier système de filtre classique avec l'eau qui arrive via une pompe qui arrive dans un premier filtre. L'eau est filtrée avec une lampe UV qui va éviter d'avoir trop d'algues vertes à se mettre en place. Et une fois la première filtration faite, l'eau part vers deux directions différentes. Donc une première qui va alimenter la première cascade et la seconde qui elle va passer dans le deuxième filtre qui lui va être naturel. Donc le filtre naturel lui c'est une couche d'une quinzaine de centimètres de gravier qui est remplie d'eau, qui est en charge, ce qu'on appelle en charge, et sur lesquelles sont implantées des iris, des plantes héliophytes. Le filtre naturel a plusieurs fonctions. Donc, il a déjà une première fonction mécanique avec un filtre qui s'opère par le passage de l'eau dans les graviers. Donc, il y a plusieurs types de graviers qui peuvent être utilisés. Mais un de ceux qui s'adapte le mieux, c'est la pouzzolane. Donc, on est sur une roche volcanique. Donc, cette fonction, elle a un filtre mécanique et elle permet aussi aux bactéries de se développer. Ça sert d'abri pour les bactéries parce que c'est des bactéries qui vont commencer la filtration, le système de filtration. Elles vont dégrader en fait la matière organique de l'eau, elles vont la dégrader en matière minérale. Et ensuite, cette matière organique qui est dégradée en matière minérale sera absorbée par les plantes. En général, sur un système de filtration naturel, on part sur un tiers de filtre par rapport à deux tiers de bassin. C'est des proportions qui sont assez importantes à respecter. Ici, on peut voir que le volume d'eau à filtrer est un petit peu plus important par rapport au filtre qu'on a en place. On a aussi une population de poissons qui est assez élevée, donc on a toujours tendance à avoir des algues qui se forment dans le fond parce qu'on a de l'azote à filtrer un peu plus importante. Donc là par exemple on est parti sur des poissons qui vont manger l'herbe, donc des amours blancs, et on peut également mettre des moules d'eau douce qui elles, malgré leur petite taille, ont la capacité de filtrer 1 mètre cube d'eau par jour. Donc c'est assez impressionnant. Après, leur effet ne va pas être efficace à 100%, mais ça contribue toujours à la bonne qualité de l'eau. Il faut retrouver dans un bassin le système qu'on peut retrouver à l'état naturel, finalement. Avec le filtre naturel, on a également une recette qui plaît toujours autant dans les jardins. C'est le mariage du végétal, du minéral et de l'aquatique. Donc ça, c'est un mélange qui a toujours plu, qui plaît toujours. Et là, c'est l'opportunité d'associer ces trois éléments principaux. En termes d'avantages, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'entretien. C'est beaucoup moins de travail dans le temps. Il n'y a pas de filtre à changer. En plus, c'est un petit peu moins coûteux en énergie. Parce que finalement, si on part simplement sur une pompe, il n'y a pas de lampe UV à alimenter. Et c'est aussi l'aspect esthétique. Donc en plus, on peut jouer sur les différents types de plantes. Vous pouvez adapter plusieurs plantes. Vous pouvez mettre des roseaux, des iris. Les iris, vous pouvez jouer aussi un petit peu sur les couleurs. Et ça apporte toujours un petit peu de vie avec un écosystème qui se met en place autour du bassin et du filtre.